Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Ferassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 224 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild en mode normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien maintenant, hein, au cas où, souvenez-vous de l'épisode précédent, on s'était tout simplement retrouvé face à Teba dans lequel il nous avait appris de comment s'exercer au vol. Après s'être préparé un petit peu, aujourd'hui, les amis, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va pouvoir, et même la miniature certainement, on va pouvoir tout simplement s'attaquer à notre première créature divine, enfin, et du coup, c'est chez les piafs qu'on y va. Donc, les amis, on y va, on doit parler à Teba. Ouais, excusez-moi, parler à Teba. Alors, on s'était, souvenez-vous, grâce à un emblème de triomphe, le dernier qu'on avait récupéré, on avait réussi à avoir un réceptacle de cœur de nouveau. Ça nous fait d'ailleurs un petit peu de bien. Et on avait également, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, amélioré du coup notre nos costumes. En tout cas, hein, nos tenues. En tout cas, trois de nos tenues, hein, les tenues piaf qu'on avait du coup débloquées. Donc, dans lequel vous avez vu qu'on a également une petite immunité au gel grâce au bonus 7, grâce au. Et du coup, bah, au niveau 2 de chaque tenue anti-froid qu'on a améliorée. Donc, ça nous a tout simplement, bah, grâce, quand on les équipe, bah, donné une, directement les trucs. Donc, par exemple, là vous avez vu que l'immunité gel s'enlève. Et quand on a la tenue directe. Tout est. Voilà, nous avons le petit bonus 7. On en aura peut-être d'autres. Je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres choses qui se débloquent derrière. Mais en tout cas, voilà, on est immunisé au gel. Donc en fait, dites-vous que là, maintenant, on peut aller dans tous les zones du froid du jeu. Donc c'est même parfait. Et du coup, bah, ça veut dire que, par exemple, on pourra au moins aller pour terminer ça. Et aussi, bah, débuter ça. Je pense que quand même, on ira ici en premier. Avant de, du coup, de partir là-bas. Parce que du coup, j'aimerais bien faire, du coup, les Aura en deuxième. Les Goron en troisième. Et Urbosa en quatrième avec Reju. Même si honnêtement je pense peut-être faire l'inverse avec les Gorons, parce que je vous avoue que Urbosa, j'aimerais bien découvrir Urbosa et Reju. C'est mes prodiges préférés en général, donc c'est pour ça. Et donc du coup, bah, c'est parti les amis, on va pouvoir parler à Teba. L'heure est venue de fin affronter ma 20 Médo. Te fatigue pas à lui envoyer des flèches, normal, ça le chatouillera même pas. Non, pour réduire ces maudits canons en silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces flèches explosives. J'en ai pas beaucoup, alors c'est juste pour cette fois, mais puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. 20 flèches explosives! Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose dans l'impact, elles affichent de gros dégâts aux alentours. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Tu as terminé tes préparatifs, j'espère que tu as un plat chaud ou tes vêtements protégeants du froid. Je suis prêt. Bien. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Médo? Ça me révolte. Ça te révolte? Alors j'imagine que ce que peut ressentir un guerrier piaf digne de ce nom face à cette situation. Eh bien, soit. Parce qu'on va pas dire réellement c'est pour Zelda, parce que du coup en fait on vient là juste par intérêt. Alors que non, on veut quand même aussi que tout, voilà, tout ce phénomène Zelda, les peuples qui sont aussi dans le mal, etc. Ça nous révolte aussi. Donc voilà, il faut dire les choses. Ça nous met plus en colère que les choses, qu'autre chose. Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe. Oh putain. Alors du coup, il faut détruire les canons, hein. Donc ça veut dire qu'avant de t'entrer dans la créature divine, il y a un truc à faire. Waouh. Wow. On y va. Va Médo. Oh my god. On va Médo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alors du coup, comment on fait pour y aller? Ça y est, nous y voilà. Quand je vole à cette altitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. Oh putain, la créature divine. Oh. Alors Va Médo est juste là. Ok, donc les canons, à mon avis, c'est ce qu'il y a un peu aux alentours. Donc il y en a 1, 2, 3, j'en ai compté, peut-être 4 derrière. Ouais, je pense qu'il y en a 4. Hein. Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Eh ben, tu ne dis plus rien, c'est la peur qui te cloue le bec. Allons, revoyons le plan ensemble. Tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Or, tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Ok. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec des flèches explosives. Ça va jusqu'à là? Si tu as besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un moment dans un courant ascendant, je pourrai venir te reprendre sur mon dos. Tu n'auras qu'à me demander. Inutile de perdre de ton temps à viser la barrière autour de la bête, en tout cas. Quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose, tu vas dire que je me répète, mais c'est primordial. N'oublie pas de te protéger contre le froid. Normalement, on est immunisé au gel, du coup, carrément. On y va dès que tu seras prêt.
Allons-y. À toi de jouer. Éliminez-moi ces canons. Allez. Alors du coup, va à Médo. Fuck. Ok. Ok. Ça c'est fait. Par contre, il me reprend quand sur son dos, l'œil? Vas-y, viens. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je t'ose. Ça va, ça va. Oh mon dieu, ce que je. Ce qu'on fait, c'est épique! Je pense qu'il faudrait peut-être viser la base. Voilà, genre là. Ok. Donc il y en a 4 à mon avis, ouais, il y en a 4. En fait, il y en a un à chaque aux alentours. Et à mon avis, c'est ça qui détruira du coup ça. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Ah, je suis en kiff! Oh, c'est génial! Ah, vous pouvez pas savoir mon amour que j'ai pour ce jeu. C'est pas pour rien que j'en ai fait 200 et quelques épisodes déjà. Ok. The last one, hein? Ouais. Du coup, à mon avis, ça permettra de briser la barrière qui recouvre 20 mètres d'eau. Oh là là, c'est épique! On est tellement haut, j'en ai le vertige. Dans la vraie vie, c'est un truc de dingue. J'ai le nez qui... Comme s'il y avait des fourmis dans mon nez, c'est bizarre. Comme si c'était à picoter, parce que du coup, de base, j'ai le vertige dans la vraie vie. Je peux même pas regarder une vidéo avec des hauteurs comme ça, moi, je vous le dis. Et voilà. Mais écoutez. Et du coup, logiquement, ça va désactiver son bouclier, c'est ça? Oui, oui. Et du coup, on va pouvoir y rentrer dedans. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On a réussi. Oui. On a réussi. Avec tes bas. Oh là là, j'adore tes bas en plus. J'adore tout dans le jeu. J'adore tout. Ah, vous pouvez pas savoir, j'ai une hype de malade. Mais de malade. Ah, il se fatigue. Il va devoir se poser, ouais. Pose-toi. On ira te récupérer après. Ah. Désolé. Oh oui, putain. On va retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave. En fais pas pour moi. Ok. Plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. Je te remercie. Vas-y, va te soigner et on ira te voir après. Oh là là. Oh là là. Oh non, du coup ça veut dire qu'on y est. Ça veut dire qu'on y est là, non? Oh my god. Enfin, ça c'est mon jeu crash. J'ai tout qu'à cracher, y'a tout qu'à friser. Y'a plein qui bouge. Ah c'est bon, si l'icône ça va. Dans Zelda, l'icône de Zelda avait craché. J'ai dit c'est une blague. Ça crache là vraiment. Oh non, ça va. What? Activation du point de téléportation et d'inscription sur la carte. Quoi, on pense téléporter sur 20 Vamedo? Oh oui, on pourra vraiment se téléporter sur Vamedo. Tiens, tiens. Et qui voilà? Rivali? Je savais. C'est la voix de Rivali, ça. On n'est jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. J'imagine que tu es venu reprendre Vamedo à Ganon. Alors va chercher la carte. Et on aura besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Oh mon dieu, les énigmes. Oh, il y a beaucoup de coffres. Hein. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à la carte. C'est la bonne révélie. C'est la bonne révélie, ça. Du prodige. Et du coup, on est chez Vamedo! Mamma mia! Oh! Alors ça, c'était un petit peu logique.
Non, par contre, on n'abuse pas non plus. Bon, on va pas user cet arc là quand même. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a du coup? Du coup, ça veut dire qu'il y a des coffres un petit peu de partout. Hein. Saphir brut, c'est parce que minerai d'Aïrule et d'une grande valeur marchande rapprêterait la puissance de la glace. Waouh! Oh putain, j'en tremble! J'en tremble! D'excitation! Vous arrivez à y croire? J'en tremble d'excitation! Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses de partout, à mon avis. On va d'abord aller à l'endroit prévu, mais. Mais il faudra un petit peu vérifier de partout. Genre vraiment là, genre par exemple, on peut vraiment y aller quoi. Et genre pile ça, ça permet de monter. Attendez! On va pas me baiser comme ça quand même. Non, y'a rien du tout. Je m'avance un peu trop. Bon, on va pénétrer à l'intérieur de cette créature divine. Ok, donc nous y voilà chez Vamedo. Mon dieu, première créature divine. Ok, donc là il y a le courant ascendant. Donc on va pouvoir utiliser pour, mon ami, monter tout là-haut. Donc il y a un truc tout en bas, j'ai vu. Hein. Ok. Et du coup ça mène où précisément? Ok, ça mène tout là-haut. Hein. Ça mène tout là-haut. Mais c'est quoi ce truc? On peut rien faire avec cette structure. Alors je sais pas s'il peut y avoir des Korogu. Je pense pas, hein. Non, je pense pas dans les donjons. Je pense, à part les coffres, c'est tout ce qu'il y a, quoi, de base. En termes de secondaire, si on veut. Mais je pense pas qu'il y a de noix Korogu ici, quoi. Enfin, je verrai pas de noix Korogu ici, quoi. Alors, je suis désolé, je suis curieux. J'aime bien regarder un petit peu de partout. Par exemple, si on n'ouvre pas de coffre. Après, je suis con parce qu'on a le. On a le détecteur. Mon dieu, il faut que j'apprenne un petit peu à utiliser mon cerveau. De temps en temps, ça serait utile. Là. Un coffre à proximité. Donc là, il ne détecte pas. Ah, il en détecte plein là-dedans, à mon avis. C'est sûr, ça. Oh, c'est surprenant. Hein. C'est même très intriguant, une créature divine. J'ai juré. Oh, the chest! Lucky stat! Ok. Ah bah, il y a un coffre, déjà, c'est sûr. Ah, je sais pas si ça on peut le péter ou pas. On va éviter ce. On peut vraiment les péter, mais ça fait rien du tout. Ok. Donc la créature dit. Alors le. Oh, par contre, pour récupérer le coffre qu'il y a là-bas, t'es. T'es pas sérieux là? Comment on fait? Alors, je pense pas que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Après, on peut monter normalement, non? On peut pas monter. Voilà. Ouais, parce qu'on va récupérer quand même tous les coffres. Hein. Le 100% c'est aussi récupérer tous les coffres. Alors par contre, là où il était, j'espère que c'est un truc intéressant. Cœur antique géant, putain, il est très rare d'obtenir ce composant, un noyau d'énergie issu de technologies anciennes. Aujourd'hui disparu, les savants lui trouveront sûrement une utilité. Alors j'ai vu que ça... Ok, c'est juste parce que c'est un peu... Salut toi. Bon, on a eu, on va user beaucoup de flèches ici. Hein. Là, c'est pour enlever le genre de ventilo. Waouh, ça fait le bruit comme vraiment une lune de sang quand on les bute. Alors, comment on va faire pour l'avoir lui? Voilà, bah en fait c'était facile. C'était facile. Ambre antique, cet élément rigide qui provient d'une machine antique serait très difficile à reproduire avec les technologies actuelles. Ok. Oh, il y a une genre de charrette. Très étrange d'ailleurs. Ouais, une sorte de charrette. Je sais pas où ça nous amène. Ok, donc. Ok. Ok. C'est pas grave, on va s'avancer un peu. Alors à mon avis, il faut faire ça. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Euh...
problème, c'est que je peux pas tirer plus au... Ah mais j'arrive pas à tirer droit. J'ai pas un arc qui permet de tirer droit, si je crois lui. Merci. Bon, en fait on peut pas avancer. Bon, je vois pas comment on pourrait. Attendez. On peut pas cinétis ou le. Si on peut le cinétis, mais vraiment je. Je suis un con. Tech. Tac. Voilà. C'est une blague là. Avance. Mais avance. Ah. Super. Bon, téléporte-toi. Super. On vient de tomber du truc. Hein. C'est un peu mal foutu par contre ce télésiège. Hein. C'est un peu mal foutu ce truc. Hein. Alors peut-être on pourra plus tard. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu les let's play et tout. Moi, là honnêtement, j'ai aucun putain de souvenir. Hein. J'ai honnêtement, mon cerveau, il y a aucun souvenir de tout ça. Bon, on va d'abord faire un petit peu ce qu'on peut faire, sachant qu'on va, de toute façon, on va y mettre plusieurs épisodes. Ça, c'est une certitude. De toute manière... Ok, ça permet de faire ça. Ok. Oh, mais c'est trop brusque à faire ça, non mais vraiment. Oh bon, attendez. Je pense qu'on peut y arriver là-bas. Pour monter là-haut. Attendez, tac. Vite, monte. Stop. Putain, on va pas y arriver, je crois. Vite, merci. Oh, God. Tout ça pour ça. Ah, mais... Je t'ai pas vu toi. Cœur antique, fruit de technologie ancienne aujourd'hui disparue. Ces composants serviraient de source d'énergie aux machines antiques. Elle est d'une valeur inestimable pour les savants. Ouais. Dans 2 minutes, moi, je pourrais le faire sortir. Tech. Merci. Ok. Alors, il y a des trucs un peu de partout, par contre. Hein. C'est vraiment abusé. Hein. Il y a des trucs de partout. 5 flèches explosives, ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elles infligent de gros dégâts aux ennemis aux alentours. Enfin, aux alentours, ouais. Je pense que les amis, on va devoir. Ouais, on va le faire en plusieurs parties, hein, je vous le dis. C'est grand quand même comme créature divine. Hein. C'est impressionnant comme c'est grand. Oh putain! Le problème c'est que j'ai pas énormément d'armes donc j'aimerais bien me le réserver pour le boss. Je sais même plus c'est qui le boss d'ailleurs. Je m'en souviens même plus. Non mais c'est trop. Les gars mais c'est trop ça. Ouais. Attendez, il va y avoir un problème là. Il va y avoir un petit problème. Attendez, monte là-haut, monte. Merci. Ah mais attendez, mais ça on aurait pu le décaler. Bah oui, d'accord, je viens de comprendre. Oh là là, quel boulet. Ça c'est un rail. Bon, on va voir ce que ça fait en activant la carte là-bas. Attendez, mais je n'ai jamais pris en photo pour qu'il n'y a pas la
Genre de barre de vie. Le bâtard. L'entrée est cadre d'encyclopédie Nano Gardien 2.0, d'accord. C'est Nano Gardien 2.0, oh. Oh le bâtard. Or certes, mais ça c'est moins robuste il me semble, donc autant garder ça. Bon, vous savez quoi, on active ça. Non, même pas, on se réserve ça pour l'épisode prochain, comme ça au moins c'est fait. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 224 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild à mode normal. On se dit du coup à l'épisode prochain, à l'épisode 225. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace.